Minasan, c'est Gunjo et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy X. Et ouais, je suis de retour sur Final Fantasy X. Donc voilà, ouais, en fois la webcam était en haut à gauche, là j'ai baissé en bas à gauche. Voilà. Je sais pas parce que là il y avait la carte là. Donc voilà. Donc la dernière fois je me suis bien fait chier à le tuer, le boss. Franchement, j'ai mis du temps, mais j'ai réussi. Bon, j'ai fermé hors caméra pour du moins avoir assez de points et tout pour les autres, du moins pour qu'ils puissent monter en level de puissance. Donc voilà. Donc maintenant je vais sphériser, on va dire Yuna. Hein. Faut même la sphériser parce qu'elle a plein de points là. Ah putain, ce qu'il me faudrait c'est ça. Est-ce que j'ai des comps? J'en ai 3. C'est quoi ça? Active une case magie noire acquis par Naï. Ah, comme ça pour attaquer. Non. Allez où? Alors, Yuna, t'es là. Il faudrait que je la fasse revenir vers là pour qu'elle puisse du moins apprendre anti-glace, anti-eau, anti-tonnerre. Ah putain. Du moins, est-ce que peut se déplacer? Ouais! Allez, on va faire ça. Bon, Berce, ça a pris. Ouais, ça a pris 4, ça va. Ouais. Comme ça, si j'ai un boss du même type que lui, je pourrais. Parce qu'en fait, je crois qu'il fallait ça, il fallait ses compétences, mais j'avais pas tilté qu'il fallait que je les prenne assez rapidement. Je vais la déplacer là. Hop. Normalement, je. Ah, je peux pas. Je veux quoi comme ça? Bonsoir. Je peux me déplacer que là-bas, quoi. Tac, tac. Là, il faut la sphère numéro 2. Sphère numéro 2. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Je la déplace là-bas. Voilà. On valide. Retour au menu. Alors, compétence, si j'ai bien compris, normalement elle a pris une compétence. Ah ouais, F de zone. C'est bien ça, comme ça pour attaquer, parce qu'elle a que des sphères de heal, c'est chiant. À force. Quant à faire, je vais utiliser c'est aussi pour lui, tiens. Comme ça, il y aura une truc de magie. Je te vois bien avec l'électricité, toi. Voilà. On sauvegarde tout ça, soit nous le sauvegarde, voilà, comme ça, c'est un souci. Je le retourne. Donc voilà, maintenant on sort de ça là, voilà. What? C'est quoi ça? Ok. Wow! Give me a break! What? What? Ok. Bon, on passe par là alors. Là, il y a un truc qu'il faudra faire, je crois. Je vais vous mentir, je me rappelle plus comment on fait ce donjon. Ça c'est pour venir là, ok, d'accord.
ça sans enlever le tactique ici. Ok. Une là non ça je vais mettre là-bas alors. Bon ça ça fait rien. Je vais essayer de prendre ça là. Non c'est là là. Voilà. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. Ok. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a un truc de saut là? Bon, est-ce qu'il fallait faire juste ça? Non, c'est juste pour faire apparaître ça. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est genre rien de défoncer ce machin pour récupérer ça. Merde. Si on enlève ça, ça enlève ça, ok d'accord. Y'a un truc à faire. Est-ce qu'il faut que je récupère ça là-bas? Y'a pas une salle en bas? Je crois qu'il y aura un truc en bas, non? Ouais, y'a un truc en dessous, mais comment accéder là-bas? J'ai encore me donné des minets. Des migraines, ça. Et si je l'envoie par là? Bon, ça fait que dalle. Là, non, non. Ah mais c'est qu'une pierre qui se met dessus, ok d'accord. Je vois pas. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse, bordel de merde là. Ah, je vois pas trop là, je vois pas ce qu'il faut faire. Putain. Je suis désolé, mais je dois suivre un des youtubeurs que je suis. En cas où si je suis un gros pépin sur ce truc. Parce que là, je suis un gros pépin, je sais pas quoi faire. moi, est-ce que. Y'a un autre passage où je descends en bas, ou je sais pas, non? Non, même pas, y'a rien, y'a que dalle. Ok. C'est que ça...
Parce que je vois les trucs, mais je vois pas comment je peux les occuper. On peut faire ça, tac, ouais, j'ai pris. Non. J'ai pris la truc du saut. C'est pour faire revenir tout ce qui était normal. Ok, là on peut pas, de toute façon. Et là, ça fait quoi si je fais ça? Là, ça fait apparaître les enfin les machins là. Je suis d'accord. Ouais. Putain, j'ai trouvé. Pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Voilà. Toi, tu fonces sur ça, voilà, c'est bien. Et toi, tu vas foncer là-bas. Et ça va casser le machin. Et je vais pouvoir récupérer le machin. Ouais, c'est ça. Putain, il fallait juste réfléchir. Ah, par contre, ça a enlevé ça, merde. Ok. Ok. Ça, ça fait pas ça, je suis d'accord. Et. Est-ce que. Ok. Je sais qu'il y a un truc à faire, mais je vais récupérer celle-là qui est là. Donc celle-là, hop, elle s'active un truc qui est sous terre, là, machin chouette, là, voilà. Ça fait quoi si ça, je la mets là? Ok, ça fait rien. Ça, je la prends, voilà. Là, il n'y a aucun truc à mettre. Il doit y avoir un truc là. Si ça, je mets ça là, ça fait quoi? Ça fait que dalle, ok. Je vais chercher la pierre là qui est juste là. Je crois qu'il doit y avoir un truc avec. C'est comme c'est la pierre du saut, à mon avis, elle doit se mettre en bas. Enfin, je suis pas sûr. On va tester. Ça fait quoi si je mets ça là? Voilà. Ok, mais c'est ça. Je sais bien que la pierre du soin servait à quelque chose. Voilà. Ça, j'ai mis ça là-haut. Donc ça, normalement, ça, je peux la récupérer. Voilà. Ça, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Ça, je peux la mettre là, non? Voilà, si je la place là, ça... Naturellement, ça active le sujet d'en haut. Voilà. Donc ça va pas là, ça. Ok. Donc ça, je crois que je peux la laisser là. Ou pas. Parce que ça active ça, voilà. Mais je crois que je devrais la réactiver parce que je crois que c'est là, va quelque part. Donc non, celle-là va autre part, non? Ce sera pas logique. Attendez voir. Vu que j'ai activé ça, je prends ça. Ça, j'ai récupéré ça. Ça, c'est brasse comme ça. Et si je mets ça là, ça fait que dalle. Casse-tête. Si je l'envoie là, de toute façon, ça sert à rien. S'est passé là, non? Non, pas ça. Non, rien faire. Voilà. Je sais pas qui c'est offert. Non, là ça fait que dalle. Ah si, ça va, ouais, ça, non, ça active là. Bon, ça je l'ai sucré, voilà. Je vois pas trop. Bon, maintenant ça c'est dessous.
intéressant parce que ça c'est là, ça va là, tac 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 tac. Il faudra un truc qui bloque, mais quoi. Bon, je suis revenu au même point. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, il y a un truc activé, mais quoi. Voilà, ça je vais l'envoyer là, normalement ça va être ça normalement, mais... Ah, j'aurais dû peut-être l'envoyer avec un... Attends, je récupère ça. Ah, je vais activer la case là-haut. Voilà. Ok, alors maintenant il faut activer ce machin, voilà. Je crois que ça va voir comment le faire le truc là, mais... Alors, ça je récupère, voilà, toc toc... Ah merde! Non, pas ça! Voilà, ça c'est activé... Donc là ça congèle ça, tac tac, c'est tout joli, voilà... On prend le petit truc là, on l'envoie valdinguer sur le machin... Ça casse la statique... Voilà, et ça c'est là-bas. Et maintenant d'ici, on envoie ce bon monde là-bas. Le truc qui tombe là. On prend la pierre qui est là, je pense, à tous les coups ça va être ça. Tac tac tac, on descend en bas, ça, on le met là, je pense, à tous les coups. Voilà. Et maintenant, ça, on envoie ça! Et ça marche! Voilà, le pont aéroformé, voilà. Mais là, j'ai un point qui me tourmente. Comment je vais activer le machin là? Parce que la pierre elle est là. Ah oui, ok. Cette pierre. Cette pierre, je crois que je vais l'emmener en bas. La mettre là. Bon, après, c'est pas grave si j'ai loupé un truc avec l'autre, parce qu'il y a une autre pierre violette là. Je sais pas où. Je sais pas comment je peux la récupérer. Alors, moi, ce que je regarde, comment on la loot au pire. Au pire des cas. Le pire de saut. Ça, je peux pas la retirer maintenant qu'elle y est, elle y est. Hein. À part si je vais sur le machin, je crois que ça la remettra normal, mais. Ça, je mets là. Merde! Ah, mais quel con! Quel con! N'importe quoi là, c'est bon. Bon, je suis d'accord, ça va là. Celle-là. Attendez, wait, je vais quand même vérifier, on sait jamais, hein, faut que je fasse pas une connerie. Je reviens tout de suite. Ok, bon, j'ai un peu mieux compris à peu près qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, tout va bien, tac tac, machin chouette là. En fait, j'ai juste besoin
prendre ça là. Hop. Ouais, ça s'y est dans, ça s'y est pas, ok. Ça, tac tac, toi je te pousse. Voilà. Toi je t'envoie valdinguer là. Ok. Parce que là je suis. Ça on récupère. Voilà. Là, ça c'est un. Tac tac. Là on descend là, hop, ça on pousse dans ça, ça s'active celui-là, ok, jusque là tout va bien, donc là ça on pose là, je vais quand même récupérer ça qui est là. Ça on récupère, ça on la met en bas ici, voilà, donc là ça on laisse ça comme ça, c'est pour la souris qui reste en plein l'écran là, voilà, donc là après on va prendre ça, voilà, le stair il se, enfin l'escalier il se casse, voilà. Ça, on met ça là. Ça, ça active le pont. Et tada ! Voilà. Ça, il y a un truc qui apparaît là. Ok. Parce que là, ça va. Donc en fait, il faut remonter ici. On appuie sur ça. On fait ça normalement, si j'ai bien compris. Là, ça envoie ça dans la tronche. Voilà. Et de là, je vais faire une pause parce que je m'en souviens plus qu'est-ce qu'il faut faire après. J'ai absorbé tout, mais pas tout. Donc je reviens vite fait. Hein. Ok, je crois que j'ai un peu compris. Là, je suis arrivé là, tac tac, j'ai poussé le machin. Là, normalement, il faut faire reset, si j'ai bien compris. Il faut prendre ça. Voilà. Et après, il faut pousser ça. Là, ça fait apparaître ça. Voilà, tac tac. Ok. Donc ça, normalement, je descends en bas. Tac tac. Ça, je la mets là, cette pierre. Hop. Voilà. La sphère d'initié, je la place là. Tac. Non, je crois qu'il faut que j'aille en bas, ouais, il faut que j'aille en bas, hop. Je reste 7. Normalement, la pierre, elle est là. Ça, je prends pour faire apparaître ce qui est normalement ici, voilà. Les stalactites, ou stalagmites, j'aurais pu vraiment le dire le nom. Donc voilà, ça fait apparaître le piquet de glace, voilà. Hop. D'ici, hop, je fais ça. Mais non, j'ai pas besoin. Attends. Parce que le but c'est juste de faire apparaître les escaliers. Je suis complètement idiot. C'est le truc qui t'a cassé. Donc voilà, là j'ai escalier, tac 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 tac. Là je récupère cette pierre d'initié, voilà. Non. Je vais trop vite. Donc voilà, donc là après on descend, tac 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 tac. Et ça on la place là. Voilà.
Et là, ça fait apparaître le coffre. Voilà. Cool. Et on récupère une sphère de chance. Ok. Youpi. Donc voilà, donc tout ça, ce remue-ménage, rien que pour ça. Une sphère de chance. Ok. Donc après, voilà, on a fini. Ah non. Pas fini. Oh fuck. Vu que j'ai désactivé le machin. Ah putain. Ah ouais, non, c'est bon. Juste à prendre celui-là. Juste à prendre celui-là, j'ai fait la manip là pour le oh, bref, le picot de glace, voilà. Le picot de glace, voilà. Donc là, ça... Au revoir. Donc ça, c'est cette place-là, juste à le pousser. Récupère ce truc de la paroi et mettre là. Allez, c'est parti. On fait ça. Voilà. Donc une fois ceci fait, on récupère cette petite pierre-là qui a bien fait chier, voilà. Et c'est parti. Allez. Donc ça, hop, je mets sur ce pilier. Et voilà, le tour est joué, la salle est finie. Et voilà, maintenant on peut sortir, tranquillou. Voilà, putain. C'était bien chiant, hein, moi je trouvais. Putain. Avant de continuer, je vais faire une petite pause parce que j'ai trop soif, là, je reviens après. Hey, hop là, on est de retour, je me suis bien rafraîchi, donc voilà. Donc c'est parti. Please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait! Wait! Jiskel's sphere! We can show it to them! You mean this? Hey! The Guado take care of Guado affairs. Away! Run! Ok, stupide gadoise. Normalement j'ai rien à besoin d'acheter, j'ai tout ce qu'il faut. Peut-être lui parler à lui, il y a quelque chose à faire. Il y a que je peux acheter que des potions donc c'est bon. Bon, on va faire une sauvegarde à part, voilà. C'est parti. Allons-y. Je dois juste courir ou... Ouais, je crois que je dois juste courir. Si on... Il faut pas que les Guado en fait me rattrape. Il me rattrape. Non. Fight. What? Ah carrément il peut invoquer des créatures, ok d'accord. Je suis désolé mais vous m'intéressez pas vraiment. Allez. Overkill, voilà. Auto-potion de merde. Magie noire. Te prendre de l'eau. Mais auto-potion mais c'est de la merde ce machin. Vas-y quoi.
Ah mais voilà. Vous ne mourrez pas. Red. Je crois que c'est bon là, non? Ah c'est bon. Moi, on peut attaquer au moins. Mais j'avoue, c'est pas très efficace. Je sens que des potions, quoi. Mais what? Je sais même pas pourquoi je passe par là, moi. Ah, on pouvait passer par là, ok. Ah, mais y a un coffre. Une clé serre. Ok. Go away. Farewell. Farewell. Oh. Le one shot. Ah là, j'allais sortir, il y a un combat direct quoi, sérieux. J'en avais plus. Bon, le truc volant il me saoule là. Voilà. On va finir par. Lui. Voilà.
Ça va être chaud là. Ok. C'est quoi ça? Sérieusement? Ok! Maxi potion. What? J'adore l'invocation de Shiva, c'est abusé. Que 800 de dégâts, ça va. Mais what? Il one shot? Sérieux? Sérieusement, là? Ah, en plus, avec KOL. C'est tout? Ah, oh, j'ai endormi l'autre. Ça, c'est bon, ça. On va attaquer le gordo de plus. Putain, il me saoule à faire auto-poisson poisson. Potion. Je sais pas que ce soit ça, non, je vais pas faire. Je vais faire plutôt un. Le mec, il avait dessus une carte. Le... Déjà lui, il est mort.
Qu'est-ce que je fais que dégâts. Ah mais il a une carapace, c'est chiant. Baisse la vitesse d'action des ennemis. Oh tiens, la garde. Oh le connard. Putain, mais ce carapace va durer longtemps quand même. Je crois qu'il n'y a plus sa barrière, voilà. Mais non, tu vas prendre cher. Même pas. Action alors hein.
fait qu'un dégât. Ok, d'accord. What? What? Il se relève? Really? Non, y a pas tout le monde qui a pris l'XP en soi. Praise be to Yevon. That's what I would have said if I was a follower of Yevon. We were all there and in one piece, even if I had a headache from wondering what was in store for us next. Putain. We're under the lake ice, aren't we? Look, that's the bottom of the temple. We've fallen a long way. What now, I wonder? What now? You act first and think later, don't you? I mean, can't you be a little more responsible? We're all depending on you, you know? A lecture? No, no, no. Just a suggestion. You should place trust in your friends. But you can't expect someone to protect you all the time. You would do well to remember that. Is that a lecture? It's advice. Okay. Okay, on va parler à lui. Hey, Wonka, would you cheer up? Look, we only did what we had to do. It doesn't matter. Don't you see? I've always walked the path of Yevon. But now, I'm a traitor. How could this happen? Damn! It's not Riku's fault either. You don't know how I feel. Ok, ouais. I'm sure Yuni's okay. She's breathing fine and all. How are Lulu and Waka? Well, Waka's in shock. Can't blame him either. And Lulu, well, she's just the same as always. She's so together. All grown up, I guess. I guess. Well, just give me 5 or 6 more years. Sérieux? So, Kamari, how do we get out of here? Hey, don't change the subject. We climb. Kamari too. Only those who try will become. Huh? I think he means you have to work hard if you want to be like Lulu. Oh, I will. Kimari thinks Riku should stay Riku. Huh? Hey, are you saying I'll never be like Lulu? Kimari! Seriously. At a time like this. Yuna? I wanted to confront Maester Seymour about his father, Lord Jiskol. I wanted to convince him to turn himself in to Yevon's judgment. In exchange for marriage? Yes, if that's what it took.
So, what did Seymour say? He didn't say anything. Now I don't even think it was worth it. I should have told you what I was going to do. Ça t'es pas mal. Dwelling in the past is futile. Hey, you don't have to say it like that. You want to waste time listening to her regrets? You don't have to say it like that. Our immediate concern is Yuna's pilgrimage. Are you willing to go on? Yes. But then, do you think Yevon will allow it? The Faith are the ones that give power to the summoners. Not the temples or the teachings. If the temples try to stop us, then we will defy Yevon if we must. Whoa! I can't believe you said that! Sir Auron? Count me out. We have to atone to make up for the sins we have committed. Of course. It's not like I ever liked Maester Seymour, yeah? That's no way I'll ever forgive him for killing Lord Jisco. And for trying to do us all in too, you know? But still, the bunch of us going against Yevon? No way! But still, we have transgressed and must face our punishment. We must go to Bevel. We must speak with Maester Micah and explain what has happened. There is no other way, I think. I agree. Sir Auron? So it is decided. Will you come with us? I am the troublemaker, after all. Yeah, that's right. That's always been on Auron to complicate things. Yeah. Kimari roars, and Auron runs off, and... I never asked you to follow me. Hey, but that's what friends are for. Right? Yep. Thank you. Huh? Friends, huh? Friend, Nani Sole. Man, how can you all act like nothing's wrong? Must got nerves of steel or something. You're too edgy. Listen to the hymn and calm down. Sérieusement. Bon. Je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. Donc là, on va bien sauvegarder, voilà. En sauvegarde, voilà. Donc je vous dis à plus tard pour un épisode sur Final Fantasy X. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye.